Alors on coupe l'autre, et voilà. Ici elle coupe, on passe sous les pattes comme ça. Double nœud, ficelle entre les cuisses, bain tourne, retourne, double nœud. Égalise, sur le côté comme ça. Un peu de peinture, teint, on tourne deux, à l'intérieur, laurier, trois feuilles, sel, la dinde au four. Après 30 minutes, la dinde sort, la dinde tourne, comme ça. On redresse, un peu de graisse de canard, comme ça, sel, et elle retourne au four pendant encore une demi-heure. La dinde, on la sort, pince, la dinde revient sur le dos, comme ça. Un peu de sel, et la dinde revient au four pour avoir 72 degrés Celsius au cœur. Après un total de 2 heures de cuisson, la dinde devrait être prête. Coupe ficelle. Ficelle retire, comme ça, très belle couleur, style braisé. Et voilà, on intercale les couleurs, comme ça, un peu comme ça, et comme ça. Farce des moules, c'est hyper chaud, donc du gargant, et on coupe. Super nickel. Farce ici, et un petit morceau ici. Et le rond, comme ça, l'autre ici, et la dinde par-dessus. Super nickel. Un peu de jus de cuisson par-dessus, comme ça. Et voilà.